Florence Lagrange, Trust Team Finance, de quoi voulez-vous nous parler aujourd'hui? Bonjour, je vais vous parler de Filman. Ah, Filman, mais alors qu'est-ce que Filman? Filman, c'est le leader de l'optique en Allemagne avec une part de marché de 53%. C'est un producteur et aussi un distributeur de lunettes à prix avantageux parce que le système social allemand est beaucoup moins agréable que le nôtre. Alors d'accord, mais qu'est-ce qui fait que vous l'ayez en portefeuille? En quoi il se démarque sur vos principaux critères, sur la satisfaction client? Là, la satisfaction client, c'est vraiment le point d'ancrage de la société puisqu'elle a été construite autour du client et pour le client. C'est Filman, c'est pas seulement des mots, ça se traduit aussi dans les faits. Par exemple, une garantie satisfaction sur les produits. Quelle que soit la boutique dans laquelle vous ayez acheté vos lunettes, eh bien, vous pouvez retourner dans une autre boutique et vos lunettes seront réparées sans ticket. Vous pouvez même changer vos lunettes au bout de plusieurs mois si vous n'êtes pas satisfait. Du coup, ça conduit à un taux de fidélité très élevé puisqu'ils ont 90% de leurs clients qui sont fidèles. Alors, est-ce le fruit du hasard ou est-ce que ils orientent tous leurs efforts sur la satisfaction des clients? Non, non, c'est pas le fruit des hasards. Ils font des enquêtes très régulièrement auprès de leurs clients. Du coup, ils connaissent très bien leurs attentes. Et par exemple, un des principaux axes sur lesquels ils ont travaillé récemment, c'était le temps d'attente puisque c'était un irritant pour leurs clients. Du coup, ils ont investi dans des machines de test qui sont plus rapides et aussi dans des recrutements de façon à réduire le temps d'attente de leurs clients. Ils font d'ailleurs des formations spécifiques à leurs salariés et la satisfaction client est un élément clé pour les salariés puisqu'ils sont tous incentivés sur les taux de satisfaction client, également les membres du board. Et du coup, le taux que vous calculez, il est élevé par rapport aux concurrents? Ah oui, on a un taux de satisfaction observé qui est très élevé puisqu'il atteint 92% en Allemagne et même un taux de recommandation de 88%. C'est pour D'accord. ça qu'on en a bien évidemment dans tous nos portefeuilles. Ok, très bien. Et est-ce que tous leurs efforts se retrouvent donc dans la performance boursière? Oui, on a des marges opérationnelles qui sont très élevées. La société a subi en milieu d'année un petit à-coup, donc on a profité pour renforcer nos lignes. Mais là, on est très conscient quant à leur capacité de réaméliorer leurs marges. Très bien, merci beaucoup. Merci.